Depuis qu'il y a 26 siècles, jaillirent les premiers feux sur les collines du Bosphore, jamais ne s'éteignirent ici les lumières de la ville. Cette ville, qui se farde de néon, c'est une très vieille dame. Son nom de jeune fille était Byzance. Elle fut Constantinople par son mariage avec Rome, Stamboul par droit de conquête. C'est une patricienne qui préserve son âme pensive dans le tumulte des roturiers. Tour à tour, elle se fait nonchalante et dure à la peine. Le portefeuille cramoisi ou livide, illettré et musclé, la sirène des navires l'appelle à la tâche. Ici, nul effort n'aurait de sens s'il n'y avait le Bosphore. Les passeurs font la navette entre deux continents sans cesser d'être chez eux. Sur la corne d'or qui sépare la vieille Constantinople de l'ancienne cité franque, une passerelle est jetée et l'aigre cri des oiseaux de mer fait écho à la rumeur citadine. Le fleuve marin trace la frontière du jour et de la nuit. Là, sur la rive orientale, somnole une des trois villes qui forment Stamboul, Scutari, la provinciale, où le soir on va fuir la bruyante cité occidentale. Et sur la côte d'Europe, Péra et Galata dégringolent vers l'eau, au hasard des pentes, en ruelle de Guingois. De rares échappées s'ouvrent sur l'avenue maritime et ses perspectives. Au rendez-vous du Bosphore se rejoignent des cascades de pavés, des éboulements de bicoques en bois. Le flâneur distrait s'y tord la cheville. Escalier et escarpement découragent même l'usage de la brouette. Ici, survit d'une imagerie conforme aux chromos désuets, tout ce qu'a épargné l'incendie dans l'humble refuge des petits métiers. Abreuvée d'eau et de thé, l'indifférence s'assoupit là, au fil des heures. Un journal est un écran entre le réel et le songe. À partir de ces faubourgs archaïques, franchissons 100 lieues, sautons un siècle. Mais non, tournons le coin de la rue pour sentir battre le cœur de la ville. Chaque minute compte au rythme de la nécessité. L'indolence se change en rudesse. S'il arrive qu'à ces carrefours on rêve encore, c'est debout. Devant des journaux qui ne sont plus prétexte à sieste, mais écho de l'événement ou reflet d'un monde imaginaire, offrant des rêves de papier colorié à la solitude des mâles. Dolmouche signifie complet. Cela se dit d'un taxi qu'on emprunte à plusieurs pour parcourir un même itinéraire et qui souvent est la propriété de plusieurs associés. Mais au volant, c'est chacun pour soi, à ses risques et périls. Tous les chauffeurs sont des champions, vous dit-on ici, en ajoutant les autres sont morts. C'est casse-cou. La ville est mal faite pour les accueillir. Les rares dégagements se referment sur des artères tracées au temps des fiacres. Condamné par l'urbanisme de demain, le haut de Péra reste le centre étriqué, incommode, d'un quartier d'affaires où 1900 se survit. La rue est masculine. La féminité y affirme sa présence prudemment. Les mères hésitent encore à user des droits depuis 30 ans acquis. Les filles, avec réserve, entrent dans le 20e siècle par le chemin des lycées. La loi, on la sent partout présente. Obéis, discipline, désir d'ordre, notion neuve que la Turquie impose dans la rue, grave dans la pierre et le bronze. Atatürk
le fondateur règne sur les quartiers neufs du Nord, où le glaive de la révolution militaire trace les perspectives de l'avenir. Mais le passé garde son charme pour le visiteur amoureux de chimères et d'objets rares. Le carrefour de ces mirages, c'est le Kapalitsarchi, le plus grand marché du monde il y a 5 siècles, puis ravagé par un séisme. Quel joyau offrait-il avant sa reconstruction de 1898 ? Seuls vous le diront les chroniques des voyageurs romantiques. Ce qu'on vous y propose maintenant, la pacotille japonaise y tient autant de place que l'artisanat local ou la corporation des orfèvres. Qu'importe d'ailleurs que l'antique soit en toc, si la poésie du négoce et la volubilité des sollicitations arrivent à vous charmer. Il faut s'égarer exprès dans ces 92 rues aux 3000 boutiques pour découvrir la vérité des passants, sinon celle des objets. Celle-ci prend sa revanche au terme du chemin. Les babouches sont d'origine. Quittant ce labyrinthe et les grands travaux du marchandage, laissez le temps reprendre son cours en ces heures de trêve. Prêtez l'oreille à un chant de femme qui vous parle de fleurs ou de passion. Ayez un regard pour les petits métiers de la rue. Attardez-vous devant les séminaires, les médressés, où se penchaient sur le Coran les étudiants de jadis. Appréciez sans hâte la saveur d'un Orient qui, pour se révéler à vous, pour vous ouvrir ses mosquées peu farouches et ses paysages de sainte coupole, ne vous oblige pas à quitter l'Europe. Plus rien ne presse. Ici, l'avenir ne se lit que dans le marc de café. Pour ces désœuvrés taciturnes, le présent s'écoule sans parole et sans rire, apparemment sans besoin, dans cette torpeur de l'esprit qu'on nomme le Kiev. Rien que des hommes, aucune règle n'exclut leur compagne de ces rendez-vous moroses, la coutume les en écarte. La boisson usuelle est le verre de thé avant le café, la limonade, le jus de fruits et le raki. Mais cette anisette se consomme discrètement, sans excès. Les consommateurs ne cherchent pas de divertissement plus fiévreux que les joies paisibles du jaquet ou des dominos. Il leur suffit, semble-t-il, de ne rien faire, de ne penser à rien. La nuit, l'avenue de l'Indépendance, Istiklal Jaldesi, prend l'allure d'une grande foire du trône en plus épicée ou d'un petit Broadway. Les trottoirs exigus débordent dans la rue une foule dont l'anonymat et la liberté d'allure ne trouvent nulle part leur pareil en Turquie. Liberté nuancée de frustration, comme en toutes les civilisations où l'homme, en ses plaisirs, renonce à la présence féminine pour être sûr d'en priver autrui. Cuisses de dame, nombril de femme, ce sont des noms de plats, souvent délectables. Dîner en ville est pour le Turc moyen une fête. Gourmand mais frugal, il s'abreuve de sirop de cerise et de yaourt, grignote des noix ou des amandes. Il raffole des fruits, dont les étalages jettent de vives couleurs dans la grisaille de la rue, une note d'abondance dans un décor de vie modeste.
Et puis le parfum de kebab et de pâtisserie, de miel et de laurier. Cette odeur entêtante nous poursuit de boutique en boutique. Le père des Turcs, d'un regard impérieux, surveille ses enfants. Efficacité, c'est le culte de ce pays autrefois nonchalant, où la publicité sait comment parler aux hommes, où l'autorité dompte sans faiblesse les penchants turbulents d'automobilistes qui se croiraient volontiers au volant d'un char d'assaut. Rare en province, ici, la voiture n'est plus un luxe. L'usage de l'avertisseur dut être interdit à Istanbul bien avant Paris. Et dans cette cité sans plan, les sens uniques sont si nombreux que le plus court chemin d'un point à l'autre vous entraîne souvent dans la direction opposée. Mais au bout de toutes les routes, il y a l'eau, dans cette ville musée qui est aussi le plus grand port de Turquie. Les mouettes vous accueillent à la sortie des cinémas. La moindre emplette vous entraîne en mer. Ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui restent, tous se retrouvent sur le pont de Galata. Privé de sa couronne, Istanbul règne encore avec ses marins et ses artisans sur une nation paysanne. Elle ne fait plus la loi, mais fait encore l'opinion et la mode. Jadis, les Grecs, pour désigner leur Constantinople, disaient simplement la ville, Istanbulin. Les Turcs ont repris le terme, subi le charme. Capitale déchue, métropole vivante, Istanbul reste pour eux la ville, la seule. Celle qui, depuis 26 siècles, a vécu tous les orages, mûri toutes les sagesses et n'a rien oublié. Les palais qui bordent la mer sont en partie construits sur pilotis. Les salles inférieures sont parquetées de planchers de cèdre qui couvrent la surface de l'eau et que l'on enlève lorsque les dames du sérail veulent s'exercer à la natation. C'est à peu près ici le climat de nos villes du Midi. L'égalité la plus parfaite règne entre les femmes du sultan. Il y a dans le harem un ordre pareil à celui des pensions bien tenues. Est un golfe d'un quart de lieue de largeur et d'une lieue environ de longueur. C'est le port le plus merveilleux et le plus sûr du monde. Il sépare Istanbul des faubourgs de Péra et de Galata.
À l'aube, le soleil ravivant les lignes lointaines des rives et des promontoires, on jouit de l'éblouissant spectacle du port de Constantinople, le plus beau du monde, assurément. Le Bayram des Turcs ressemble à notre jour de l'an. Dans les journées du Bayram, toutes les religions prennent part à l'allégresse musulmane. Le sultan devait faire la grande prière du Bayram à la mosquée du Sultanahmet, qui borde un des côtés de l'Atmeidam, illustré par le souvenir des empereurs de Byzance. Cette place est oblongue et présente toujours son ancienne forme d'hippodrome. Au-delà, les îles des Princes se dessinent vaguement à l'entrée de la mer de Marmara. Les gens des divers quartiers affluaient vers Sainte-Sophie. Comment dire les splendeurs de cette nuit privilégiée? Comment dire surtout le motif singulier qui fait, cette nuit-là, du sultan le seul homme heureux de son empire? Tous les fidèles ont dû, pendant un mois, s'abstenir de toute pensée d'amour. Une seule nuit encore, et ils pourront envoyer à une de leurs femmes le bouquet qui indique une préférence. Mais quant au sultan, en qualité de padishah et de calife, il a le droit de ne pas attendre le premier jour de la lune. Il a une nuit d'avance sur tous ses sujets pour la procréation d'un héritier. Si l'on se rendait compte de la dignité et de la chasteté même des rapports qui existent entre un musulman et ses épouses, on renoncerait à tout ce mirage voluptueux qu'ont créé nos écrivains. Le sultan paraît fort disposé à repeupler l'empire. Si l'on se rend compte du nombre de naissances de princes et de princesses annoncées à la ville par le bruit du canon et par les illuminations de Stamboul. Le sultan est aussi peut-être le seul des Turcs qui puisse se plaindre de l'inégalité des positions. À lui seul, dans son empire, il est défendu de se marier légalement et il ne pourrait davantage épouser une étrangère. Il se trouve donc privé des 4 femmes légitimes accordées par Mahomet à tout croyant qui a les moyens de les nourrir. Ces sultanes, qu'il ne peut appeler épouses, ne sont originairement que des esclaves, de telle sorte que le sultan, réduit à n'avoir pour femme que des esclaves, est lui-même fils d'une esclave. La
joie de boire de l'eau, a fait inventer à ses peuples les plus charmantes constructions dont on puisse avoir l'idée, avec cette forme de pavillon chinois dont l'architecture spéciale domine à Constantinople. Rien n'est plus vertueux au dehors que ce paysage d'idylle, que ces maisons de bois dont les portes s'entr'ouvrent çà et là pour laisser paraître les ménagères matinales. Ville étrange que Constantinople. Quatre peuples différents y vivent ensemble, Turcs, Grecs, Arméniens et Juifs, enfants du même sol, se supportant beaucoup mieux les uns les autres que ne le font chez nous les gens de diverses provinces ou de divers partis. L'eau arrive par aqueduc et se conserve dans des réservoirs. Elle prend souvent un goût désagréable, de sorte qu'en raison de la rareté de cet élément, il s'est établi une école de buveurs d'eau, gourmets véritables au point de vue de ce liquide. On vend des eaux de différents pays et de différentes années. L'eau du Nil est la plus estimée, attendu qu'elle est la seule que boive le sultan. L'eau de l'Euphrate, un peu verte, un peu âpre au goût, se recommande aux natures faibles. L'eau du Danube, chargée de sel, plaît aux hommes d'un tempérament énergique. On apprécie l'eau du Nil de 1833, bouchée et cachetée dans des bouteilles que l'on vend très cher. Cette cité est le sceau mystérieux qui unit l'Europe à l'Asie. Si son aspect extérieur est le plus beau du monde, on peut critiquer, comme l'ont fait tant de voyageurs, la pauvreté de certains quartiers. Constantinople semble une décoration de théâtre qu'il faut regarder de la salle sans visiter les coulisses. Du petit minaret situé au-dessus de la Corne d'Or, partit une voix douce et mélancolique. Je ne puis résister à une émotion étrange. La terre imprégnée de rosée répondait avec des parfums à la brise marine qui passait pour venir à moi, au-dessus des jardins de la pointe du Sérail. Le soleil dessinait au loin cette géographie magique du Bosphore, qui partout saisit les yeux, à cause de la hauteur des rivages et de la variété des aspects de la terre coupée par les eaux. Après une heure d'admiration, je me sentis fatigué et je rentrai à l'hôtel où je demeurais et dont les fenêtres donnaient sur la Corne d'Or. Thank you.
Au-delà d'ici, il n'y a rien, sauf le froid et l'ennemi, soupirait le doux poète Ovide, exilé par le courroux d'un César sur de tristes rivages. Le nom de Pont-Euxin s'est perdu dans les atlas anciens, mais pour les Turcs d'aujourd'hui, comme pour le Romain d'il y a 2000 ans, au-delà de ces eaux turbulentes, il n'y a rien encore, rien que l'ennemi et le froid. La bise de la mer Noire souffle-t-elle? Sur les détroits s'affolent les mouettes. Les pêcheurs rentrent au port et soudain s'inversent les saisons. Poyras et Lodos, vent du nord, vent du sud. C'est leur imprévisible alternance qui commande la couleur du ciel et le plaisir de vivre sur ces dunes où chaque pas éveille le souvenir. Là s'implanta, voici 26 siècles, un capitaine de Mégare, à la tête de ses matelots. Il s'appelait Bizas et, de son nom, baptisa l'extrémité de l'Europe. Byzance devint Constantinople, puis Istanbul, sans cesser d'être en armes la conciergerie des détroits. Enlacée par le fleuve marin qui fait sa diversité, la triple ville est inséparable du Bosphore. Elle porta trois noms dans le temps, elle garde trois noms dans l'étendue. Istanbul, c'est Galata, et aussi Scutari. Deux continents qui, au bord de l'eau, se souviennent chacun d'autre chose. Presque rien n'y évoque plus l'Empire grec si l'on entend le langage des herbes folles, de la cendre des morts et des remparts écroulés. Au-delà de ces murailles commence l'Asie, avec cette Anatolie fauve et ocre, si méconnue, presque inchangée. Une rumeur couvre parfois dans l'ancienne capitale des Ottomans la voie sainte de l'islam. C'est celle d'un monde quasi familier, presque moderne. La suie et la fumée se sont mêlées à des parfums sucrés, le mazout au ruissellement des eaux douces. L'industrie a dressé ses cheminées que les pionniers de la République appellent les minarets d'Atatürk. Les caïques servent de péniche. Le promeneur mélancolique gémit en découvrant des dépôts de charbon sur des rives qui enchantèrent les romantiques. «
Mais pour cette âme friande d'harmonie, se dressent encore les 425 mosquées de Stamboul, héritage préservé du califat. Le temps s'est arrêté dans ce sanctuaire dédié à la mémoire de Mahomet II, El Fatih, qui força les défenses à la deuxième Rome. Un sortilège frappe de torpeur ce pieux refuge, clos sur lui-même, dans le murmure d'une des 11 000 fontaines qu'offrirent à la communauté les donateurs d'autrefois. Seule la prière y rythme les airs, elle, et les ablutions qu'impose le rite aux fidèles. Ici se prolonge encore cette Turquie intemporelle. Elle s'appelait Asie mineure dans les relations de voyage d'écrivains démodés. Elle se survit sans doute, mais le meilleur d'entre elles est retourné à la terre, dans ses cimetières voués à toutes les croyances. Îlots de paix où de blanches pierres sont noyées dans la verdure, livrées à la nature, dépourvues de ces grillages solennels qui, ailleurs, isolent les disparus des exubérances de la vie. Des images venues d'un autre siècle, comme ailleurs il s'en offre, dans cette ville qui semble la capitale de l'immuable. Ces hommes, égrenant leur chapelet entre des doigts sans repos, seule la tradition guide leurs gestes, eux qui connurent l'agonie de l'Empire ottoman. Le Turc n'est plus l'homme malade de l'Europe. Il a vaincu le mauvais sort. S'il a retrouvé le sens de l'avenir, c'est sans renoncer à ses habitudes. Tour à tour, Stamboul se fait métropole de rêve ou château des brouillards, que les couleurs s'y affinent ou se brouillent. Le ciel se couvre-t-il? Aussitôt, brume et poussière envahissent les quais du Bosphore, estompent les coupoles, cernent comme des vaisseaux fantômes ces ferryboats, où dans la familiarité des allers-retours quotidiens, on sent battre le cœur de deux continents. Couleurs d'ardoise, de grisaille et de boue, c'est toute la ville alors qui part à la dérive et se noie en eau trouble. Mais tout change au gré des vents. Et dans une lumière soudain limpide, l'occidental savoure le plaisir d'être encore en Europe et déjà en Orient. Orient familier, même si les faubourgs y gardent des airs de campement, Orient trompeur, mais ouvert à l'étranger par un peuplement composite, une tradition commerçante et la vocation européenne de la République. Dans un parfum de pastèque et d'orange, de résine et de thym, sur les marchés se confondent la malice levantine et la rudesse anatolienne, l'hérédité mongole ou l'ascendance balkanique d'un peuple solide et taciturne, bien vivant, sinon bon vivant, frugalement nourri, sobrement abreuvé de yaourt et d'eau claire, de limonade et de sirop de cerise. Au plus beau jour, lorsque le gris nuage des mosquées retrouve ses reflets dorés, Stamboul est unique au monde et fascine celui que la veille elle aurait rebuté. Dans le sanctuaire qui lui fut dédié, l'ombre de Soliman le Magnifique règne sur la ville conquise. Le souvenir des Génois et des Vénitiens s'accroche au flanc de Péra. L'imagination fait son œuvre, au point que le lyrisme des étrangers baptise Corne d'or un canal d'eau morte.
Charriant ses courants contraires, mer d'eau douce et fleuve salé, le Bosphore se fait enjôleur, enlaçant sept collines vénérables. Par quel éclat d'orgueil Justinien salua-t-il l'achèvement du monument voué à la Sainte Sagesse ? 107 colonnes y projettent une coupole fabuleuse à 54 mètres du sol, en hommage au dieu de Byzance et de son image sur terre, le Basilos. Depuis 14 siècles, ce temple sublime défie les séismes et les ravages du temps. Bien des édifices n'auront pas cette chance de durer dans une cité où, jusqu'au siècle dernier, la pierre était réservée aux bâtiments publics. Les riches eux-mêmes se bâtissaient des palais en bois, demeures patriciennes de vieilles familles, dont on aime le charme désuet. Derrière ces yalis craquant au vent, toute une ville sous ses coupoles fait le gros dos au soleil. Elle dresse ses ogives étirées, ses arabesques pour kiosques à musique, au bord de l'avenue liquide que Léandre traversait chaque nuit pour étreindre sa bien-aimée. Istanbul a toujours le dernier mot. Elle triomphe dès qu'on s'en éloigne. Alors, une ville qu'on jugeait négligée retrouve son élégance. Et l'on oublie les détails pour ne plus voir que l'ensemble. Le soleil, au départ, rend-il ses phares à la vieille Constantinople ? La décevante se fait inoubliable. Il n'est pas un voyageur qui n'en soit amoureux lorsque, dans un crépuscule chargé de nostalgie, il dit adieu aux barques de pêche qui se balancent sur la rive orientale devant les petits ports d'autrefois. Constantinople, la nouvelle Rome, Istanbuline, la ville reine, c'est Byzance, qui par le choix de Constantin Ier devint la nouvelle capitale de l'Empire romain. Son rayonnement accuse aussi l'affrontement de deux civilisations, celle de l'Orient musulman et celle de l'Orient gréco-latin. Le 5 février 1451, succède au sultanat un jeune homme passionné, avide de gloire. Mehmet II, chef de 21 ans, est à la fois mystique et réaliste, érudit, ami des arts et cruel. Il rêve de surpasser son grand-père Bajazet et son père Mourad, qui apprirent à l'Europe la puissance militaire de la nouvelle nation turque. Son premier objectif sera Byzance.
la force de Byzance ne réside plus que dans ses remparts. Crénelée, protégée par des fossés, gardée par d'énormes tours rectangulaires, édifiée sur trois rangs parallèles, complétée et restaurée par chaque empereur, cette enceinte majestueuse réalise à cette époque-là le type achevé de la citadelle imprenable. La cour de l'empereur de Byzance. De chaque côté du trône, un lion en or massif frappe le sol de sa queue, ouvre sa gueule, remue la langue, rugit. Le visiteur s'approche, se jette trois fois face contre terre. L'empereur a été élevé dans un tabernacle par une machine invisible presque jusqu'à la voûte et apparaît éblouissant dans ses vêtements sacerdotaux. Le faste et le délire s'accroissent pendant le Saint-Office. 30 fêtes religieuses par mois. L'ancien empire byzantin qui s'étendait de la Perse aux Alpes et jusqu'au désert de l'Asie se traverse à présent aisément en 3 heures de marche. Byzance n'est plus qu'une cité entourant des églises, des palais et un amas de maisons. Pillée par les croisés, décimée par la peste, déchirée par ses querelles théologiques, elle est incapable de se défendre contre un ennemi qui l'enserre depuis longtemps. Tandis que Galata appartient aux Génois, tout le pays situé derrière les murs de la ville est au pouvoir des Turcs. Les navires byzantins pouvaient gagner leur grenier à blé par la mer Noire. Mais Mehmet ferme ce passage en faisant construire Roumélie-Hissar, à l'endroit le plus resserré du canal. Le 5 avril 1453, une immense armée ottomane inonde la plaine de Byzance. Le sultan, magnifiquement vêtu, chevauche à la tête de ses troupes. Son armée tout entière répète dans la même posture et au même rythme la prière qu'il adresse à Allah. Le siège de la ville a commencé. Le principal obstacle, c'est la corne d'or. L'accès est interdit par une chaîne au passage le plus étroit. Mehmet conçoit alors une idée stupéfiante d'audace. Dans la nuit du 22 avril, 70 vaisseaux se transportent d'une mer dans l'autre, par monts et par veaux, à travers les vignobles, les champs et les bois. Ce trait de génie a livré au sultan et à son armée toute la corne d'or. Le côté faible de la ville se trouve menacé et le cordon déjà insuffisant des défenseurs encore bien élargi. Pas la moindre voile vénitienne n'est en vue dans la mer Égée. Le pape, Venise, Gênes ont abandonné Byzance. Les assiégés ne se leurrent pas. Ils sont 8000 contre 150 000. Sur l'ordre du Basileus, le peuple tout entier se rassemble pour défiler en procession. On sort des églises les saintes icônes. Partout où une brèche s'ouvre dans les remparts, on accroche l'image d'un saint. Tous ces hommes voués à la mort se réunissent à Sainte-Sophie, alors la plus magnifique cathédrale de l'univers. La messe funèbre de l'Empire d'Orient vient d'être célébrée. Derrière les remparts, un peuple angoissé attend le jour et la mort. Allah Allah illallah Allah Allah illallah.
À 1h du matin, le sultan donne le signal de l'attaque. Au cri de « Allah, Allah, il Allah », 100 000 hommes se précipitent contre la muraille de Byzance. Les premiers effectifs de Bachi Bouzouk, soldats inexpérimentés et fanatisés, vont vers une mort certaine. Mais ils fatigueront les assiégés. Quand l'aube commence déjà à blanchir, le sultan est obligé de faire donner sa réserve, les janissaires, la fleur de l'armée ottomane. Plusieurs Turcs ont pénétré par une des poternes de la ville, la Kerka Porta. Des soldats grecs aperçoivent les Turcs et poussent le cri fatal. La ville est prise. Le vainqueur tient son terrible serment, le sac de Byzance. Il n'entre dans la ville conquise que l'après-midi, une fois le carnage terminé. Fier et grave sur son magnifique cheval, devant les scènes féroces du pillage, sans détourner la tête, fidèle à sa promesse de ne pas interrompre dans leur terrible besogne les soldats qui lui ont donné la victoire, il se dirige vers la cathédrale, vers le cœur rayonnant de Byzance. Il tient à remercier Allah avant de lui consacrer définitivement cette église. Le lendemain, on démolit les autels, on badigeonne les pieuses mosaïques et la croix qui dominait Sainte-Sophie s'abat avec un bruit profond. L'Europe s'aperçoit en frémissant que par sa sombre indifférence, une puissance envahissante a fait irruption chez elle. Puissance qui paralysera ses forces pendant des siècles. N'achète pas une heure de négligence. J'ai 60 ans. Si je pouvais vivre 5 ans encore. Je veux me réveiller. Je n'y arrive pas. La plupart du temps, je ne sais pas où je suis. Mais il m'arrive aussi de me croire autre part. J'ai l'impression que je vais mourir si je ne me réveille pas sur le champ.
À Uskudar, dans la maison au bord de la mer, je m'asseyais dans mon lit. Et le cœur serré, j'écoutais ahanner les bateaux à moteur, battant la nuit, qui s'en allaient dans un voyage sans début et sans fin. Le bruit du moteur déborde de nostalgie. Il vous appelle quelque part, très loin. À Uskudar, devant la maison, les eaux du Bosphore ont une autre voix, plus douce, plus secrète. Les pluies de printemps tombent sur Istanbul. Elles sont tièdes à présent. Il y a des villes où tu peux te balader un mois durant sans qu'elles finissent. J'aurais dû aller là-bas voir ce qu'il en est du monde. Qu'est-ce qu'il y en a des usines à Istanbul? Qu'est-ce qu'il y en a en Turquie? Qu'est-ce qu'il y en a dans le monde? Innombrables. Et combien d'hommes, combien se disent « Si je ne trouve pas de travail, si je n'en ai pas, qui sait combien de chômeurs il y a dans le monde ?» Les pluies de printemps pleuvent sur les coupoles de la grande mosquée, sur les capuchons des minarets, sur la corne d'or, sur les chalands. Les pluies de printemps tombent sur le marché aux poissons. Les pluies de printemps pleuvent sur le pont de Gap. Je n'ai jamais reçu, sans rien donner en échange, d'argent de personne, sauf de mon grand-père les jours de fête. Les gens qui passent ne nous regardent même pas. Ils ne passent tout de même pas que des salauds sur ce pont. Tu crois qu'on est camelots de père en fiche chez nous, dans la famille? T'es un aristocrate, mon vieux, un fils de pacha. Maison de bois, mon charabier. Une bise tiède gonfle les rideaux de tulle. La maison est silencieuse. À un virage, quelque part, une voiture grince. Les rues sont désertes. C'est l'heure de la sieste. Thank you.
Entre les maisons noircies, aux fenêtres en saillie pour la plupart, rampe la rue tortueuse, étroite, toute seule. Et un silence, une solitude. On monte au premier. La propreté de ces divans recouverts de housses de toile me ravit. Le plancher, blanc comme de la résine, à force d'être lavé, brossé, astiqué, est encore humide. Ça sent le savon des Dirnées, il me semble. La lavande et le bois de sapin mouillé. Je n'ai pas encore appris qu'il est un métier consistant à soupçonner tout le monde, que l'on ait pour cela des raisons ou non. Ce doit être si triste de se sentir étranger quelque part. À moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais à Üsküdar, dans la maison au bord de la mer, il y avait un jardinier, un Albanais, qui vivait à Istanbul depuis Dieu sait combien d'années. C'est un bien beau pays, répétait-il. Dieu vous le garde. Mais pour moi, c'est la migrance. Et j'ai bien peur de mourir sans revoir mon pays. Maître Galip est célèbre pour les drôles de choses auxquelles il pense. Si je pouvais chaque jour manger des gaufrettes, se disait-il à 5 ans. Si j'allais à l'école, se disait-il à 10 ans. Si je pouvais sortir avant la prière du soir de la boutique de coutelier de mon paternel, se disait-il à 11 ans. Si j'avais des souliers jaunes, si les filles me regardaient, se disait-il à 15 ans. Pourquoi mon père a-t-il fermé la boutique? L'usine, c'est bien différent de la boutique, se dit-il à 16 ans. Est-ce qu'ils vont augmenter ma paye? Se dit-il à 20 ans. Mon père est mort à 50 ans. Est-ce que je vais mourir si tôt, moi aussi? Se dit-il quand il avait 21 ans. Et si je n'ai pas de travail? Pensa-t-il à 22 ans. Et si je n'ai pas de travail? Pensa-t-il à 23 ans. Et si je n'ai pas de travail, pensa-t-il à 24 ans, et souvent chômeur. Jusqu'à l'âge de 50 ans, il se dit, et si je ne trouve pas de travail? À 51 ans, il se dit, j'ai vieilli, j'ai vécu un an de plus que mon père. Et maintenant, il a 52 ans. Il est chômeur. Et en ce moment, il s'est laissé prendre par la plus bizarre des idées. À quelle heure vais-je mourir? Est-ce que j'aurai une couverture sur moi quand je mourrai?